Danger pour Premier ministre de facto Ariel Henry à tout projet force multinationale, là, il y a moun ki rele le projet occupation. Premier ministre de facto Ariel, dans le moment là, nan tout ça pas bon. Autorité pays Russie prend contact avec deux groupes moun dans le pays d'Haïti. Yo prend contact avec deux partis qui extrêmement importants qui ont assez poids pour chavirer projet Ariel pour déploiement force multinationale là dans jour qui t'a gagné pour venir là. Yo on va le ou plus détail dans un petit moment puisque gagné Dimitri Polyansky qui se représente en Fédération Russie dans Conseil Sécurité Nations Unies qui gagne un gros document dans men là dans moment n'a pas parlé à la. Yon l'autre bord gagne ancien sénateur Don Kato Antonio Cheramid. Don Kato qui matin là li secoué Radio Caraïbe dans cadre émission Grand Boulevard il t'a participé. Ancien sénateur a sermenté 7 fois 77 fois 7 fois lui-même, li pa gen rien pour avec question insécurité, question bandi en dedans pays. Ou pral gagne pour bailler ancien sénateur a yon ti réponse sou estime que li sou bluff, li nan menti avec intervention li fait. Bonjour bonsoir tout le monde. Comment nous y est, c'est toujours un plaisir pour moi avec nous, pour me porter émission par nous, pour nous. Mon éditorial avec Yannick. Si vous faites tomber sur le channel, là, pourquoi abonner? Il n'est pas difficile, râlez téléphone, nous, tapez TAC 609 tout haïtien connecté, et puis rapide, vite, sans perdre du temps, abonnez, songez, activez la cloche notification, et comme ça, vous ne pouvez pas rater aucune vidéo, n'a pas gagné. Pour nous poster. C'est toujours un plaisir pour nous avec vous. Eh bien, jeudi vendredi 18 août 2023, week-end, li commence, week-end, li tombe. Nous connaissons déjà, dans tout pays du monde, même en temps de guerre, yon week-end, rete yon week-end. Veye kote wap met, yon pa boue alcool, soit pren volant, pa pren volant, pour pendant te tout gen gwo glan la dan li. Après ça, enjoy la vie ou sans camper, puisque nous pa konnen ki le, ki jou, ki date, ki moi, nous pralé n'a quitté ti bout de ça. Mes amis, information en pile, bouk chargé, pa camper, information nous pote sans perdre du temps. Nous pral partager ça nous gagne. Comme détail avec vous, je vous dis là. J'en ai annoncé le grand titre, eh bien, Dimitri Polyansky, qui se représente en Fédération russe dans le Conseil de sécurité des Nations Unies, eh bien, il était pris en contact avec diverses catégories acteurs dans la vie nationale, il était pris en contact avec divers mondes dans la société civile, dans l'idée pour nous donner une opinion sur ce qui a passé et sur force multinationale que Premier ministre de facto Ariel Henry, il était demandé la communauté internationale, il était demandé aux États-Unis précisément, et pour voyer militaire en Haïti pour venir aider au faire face avec question insécurité, question gang, question bandit, qui a brassé mille société. Eh bien, dans quatre dossiers, il faut que je vous dise, il y a un professeur Camille Chalmers qui lui-même, sans perdre du temps, lui-même avec un peu l'autre monde, qui t'a choisi pour écrire avec président Union africaine, président chef d'État tout pays africain. Eh bien, il t'a écrit avec président Union africaine, il a écrit avec représentant Fédération russe et Dimitri Polyansky, yo baye tout détail Ariel manigancé dans pays là avec pays États-Unis, avec représentant États-Unis en Haïti, avec chargé d'affaires américain extramarin pour yo planifier occupation en Jean Yorel là. Eh bien, professeur Camille Chalmers, li pral gagné pour le répondre aux questions puis l'Haïti a posé tête dans moment là. Nous ouais dans dernier jour ça Jean gang, Jean bandit, dans tout coin dans le pays d'Haïti, yo activé. Volume insécurité a limité. Dans ce moment-là, volume gang, nan, action criminelle bandit, yo, nèg yo monte volume, nan, yo monte insécurité à ce moment-là. Moun kafou feuille, pas karite la kayo, pas karite dans le quartier yo. Moun solino pa karite nan katye yo, moun la tibonit li an kou, moun li an kou matin la serel, moun yon ap kouri, peyizan de menantet, yo pa karite la kayo avec question grand griffe.
bandit corporate Seraf a frappé, donc vite l'homme a frappé, nègre ravine a frappé, Izo, bon vidéo qui rive joindre m'a bien pour partager vidéo avec vous pour ouais, Izo lui-même il prend contrôle sous commissariat Porta et Léogan, il mettait drone, laisse bagaille tête chargé. Dans moment là en Haïti, nous ka dit que chaque grand haïtien yo fini par comprendre jouet ça cap jouer là. Yo fini par comprendre jouet coquin nèg nan pouvoir yo a jouer à nous wè quoi. Nous wè quoi pour nèg yo légitimer force multinationale pour montrer nous une certaine légitimité dans demande force multinationale et bien faut bandi continue tout yon moun, pas vrai? Faut que bandi continue à attaquer moun, faut que volume sécurité à monter, faut que fusillade, faut que massacre cap fait etc. Et bien c'est exactement ça pouvoir Ariel Henry. Yo planifié, y a manigancé là et nous carwell, nous ka constater chaque jour plus gen moun cap tombé. Et bien gagné et yon rapport partiel que Nations Unies mette de yo là et UN Human Rights yon organisation de dans Nations Unies qui li même gère ça qui gen pour avec et droit moun, et bien yon fait konnen sorti 1er janvier 2023 pour arriver 15 août passé à là gagné près de 2439 haïtiens qui perdu la vie, gagné 902 moun qui sorti blessé en bas attaque bandi et gagné 951 cas de kidnapping que yo a enregistré. Donc ça veut dire qui ça? Ça veut dire bandi yo enragé, gang yo ao yo. Et dans l'émission hier là, nous parlait de diverses catégories acteurs, de diverses catégories moun qui derrière bandi yo, qui derrière gang yo, qui derrière zak insécurité qui gagne dedans pays. Mais professeur Camille Chalmers li pral ba nou kèk detay puisque li se youn nan moun ki siye, ki ekri lèt, ki siye lèt voye bay otorite Rusyo après que yo te fin pran kontak avec divers akteurs de dan peyi an. E li se youn nan moun tou ki siye lèt tou pou voye bay représentant président Union Africaine nan, peyi Union Africaine yo. Donc la gagné deux groupes moun qui extrêmement important en dedans Conseil de sécurité Nations Unies, que ce soit Afrique, que ce soit la Russie, dans moment là qui a joué toute relation yo, qui mettait tout poids yo dans balance diplomatique là pour regarder comment yo ka chavire et impact États-Unis gagné dans ça qui dans ça qui gagne pour avec force multinationale là. Et bien question a posé professeur Camille Chalmers, pour qui ça li mette nan lettre la, pour qui ça li dit que bandi yo, gang armé yo, c'est outil légitimation occupation. Professeur Camille Chalmers pral ba nou plus détail sou point ça li mette nan lettre la. An nou tande ensemble. OK, non, ou di faut ka pou faire résister, nous dit que la pratique nous pas résistance ça ka pou faire puisque bandi entre dans tout compartiment quartier ça et intervention de la police a annoncé à pas arriver effectivement et repousser bandi yo. Maintenant on nous venir sur lettre là dans commencement lettre là nous alors on nous dit que résistance là les possible leur population organisée et leur articulation avec des policiers citoyens, des policiers honnêtes, des policiers qui pas dans bandi, et penser que il y a des zones toujours qu'à faire qu'à résister et nous même penser que l'autre zone ta doit porter bourade by résistance qu'à faire là. OK. On nous venait sur l'être là. Qui j'ai résisté là? Il y a résisté, il y a organisé, il y a gagné des côtés à faire barricade, il y a tout ensemble de système de communication entre eux. Ouais. Et il me pensait que c'est des bagarres à encourager et surtout pour dénoncer, disons, attitude responsable l'État, yo, qui pas levé le petit doigt pour yo, protéger population. Hein. Et nous ouais un comportement qui est complètement antinational et justement c'est un comportement qui est caractéristique de pouvoir ça qui fait alliance avec gang yo contre population, qui fait alliance avec toute l'ennemi population, même j'avais fait alliance avec d'éventuelles forces d'intervention étrangères.
Dans le commencement de l'entrevue, à Robinson demandé où, puisque nous sommes dans la correspondance que la Russie était consultée nous, et dans qui façon était consultée nous, est-ce que vous avez vu nous ici, tu avez vu nos téléphones, vous avez vu nos emails et... Non, c'est un bagage qui a circulé sur les réseaux sociaux. Côté où vous avez vu une adresse, email, et côté où vous avez demandé différents acteurs, organisations, personnalités dans le pays d'Haïti, pour y prononcer sur la crise-là, et faire des suggestions par rapport à la prochaine réunion au Conseil de sécurité. Qui entité russe qui t'a fait ça? C'est responsable, disons, responsable permanent de la Russie auprès du Conseil de sécurité. Mais on sujet, un sujet aussi sérieux. Pour ça, il y a eu la guerre de plan gaillé sur les réseaux sociaux. Et nous ne pouvons pas penser à ça. Ah, c'est pas moi pour répondre à la question ça. Vous posez là aussi question ça. Non, maintenant, c'est ton bagage qui était ouvert. Donc, c'est ton espèce d'enquête. C'est pas ton bagage que t'as fait de façon confidentielle. C'est pas un bagage que t'es adressé à quel acteur particulier, il t'a fait ouvertement. Il t'a fait pour te recueillir le plus d'impressions possible. Non, correspondant ça, nous voyons, les représentants, là aussi, dans le Conseil de sécurité des Nations Unies. Nous dit que gang armé yo c'est des outils de légitimation occupation étrangère. Ça nous le dit pas là. C'est clair que dans le travail qu'a fait justement pour fabriquer Haïti comme entité chaotique ingouvernable, et dans ce sens, ça, c'est vocabulaire que la Nations Unies a utilisé sur Haïti depuis plus de 25 ans. Dans le cadre des fabrications chaos, il est évident que gang yo a un rôle fondamental qu'il a joué. Et soit regarder, soit analyser déploiement de gangs sur le plan territorial, action qu'il a mené, il est évident que ne s'agit pas de pur banditisme, il s'agit d'un projet politique. Et un élément projet politique, ça, c'est démontrer que Haïtien pas capable de gérer pays, hein, que Haïtien pas capable de gérer tête, et qu'il a besoin de faire appel à des forces, des puissances externes pour être capable de ranger pays, hein, pour être capable de sauver Haïti de tête. Donc, c'est-à-dire, il y a un discours qui fabriquait sur Haïti depuis très longtemps. Il faut regarder, par exemple, le discours qui était fait sur Haïti en 1915, c'est exactement la même chose. C'est pas? Ça veut dire que Haïtien pas capable de gérer tête, Haïtien pas capable de construire un pays. Donc, il y a besoin d'une occupation étrangère qui pourrait régler le problème. Alors, qu'il est évident que nous vivons 12 missions onusiennes de 1992-93 à aujourd'hui. Nous vivons 13 ans d'occupation militaire de la MINUSTAH et les résultats sont clairs. Non seulement, ils n'ont pas aidé à déstabiliser le pays, ils n'ont pas aidé à résoudre aucun problème, mais ils ont contribué à fabriquer chaos à travers le démantèlement des institutions étatiques, affaiblissement des institutions étatiques, installer la culture de l'impunité, c'est pas, et construire des forces qui ont même, à l'intérieur d'une doctrine néocoloniale, donc des forces qui ont même construit avec des incapacités pour faire face à problème pays. Nous clairement demandé à la Russie pour lui utiliser le droit lien dans le Conseil de veto lien dans le Conseil de sécurité des Nations Unies pour faire opposition par rapport à force multinationale ça. Comment nous-mêmes signataires puisque on a réfléchi et c'est réfléchi on a réfléchi qui fait nous venir avec groupe Totolet ça. Comment nous ouais rétablissement sécurité dans le pays a sans force multinationale sans coup de main de l'étranger. Non, alors, premièrement, c'est pas la première fois qu'on a écrit le Conseil de sécurité, hein. Donc, on a habitué à écrire différents, membres du Conseil de sécurité, hein, depuis plusieurs années. Côté nous dit, premièrement, gagner une série de relations qui tissaient entre Haïti et le système des Nations Unies, en particulier depuis les fameuses missions de stabilisation. Et, je veux dire, nous pas capables de permettre, nous, entrer dans une nouvelle aventure, c'est que nous pas font évaluation sérieuse, indépendante et responsable, de ça qui t'est passé, hein, pour nous voir pour qui ça a mis l'État et agit comme ça, quelles sont les conséquences de sa présence, de façon que nous réarticuler une autre forme de coopération. Parce que nous-mêmes, nous pas opposés à la coopération, hein, nous tout à fait favorables à la coopération, mais il faut que c'est des coopérations qui définissent notre souveraineté, ça veut dire, il faut que c'est acteurs haïtiens, yo, qui construisent des projets, et c'est à partir de projets, ça, pour que coopération définit. Et deuxièmement, une responsabilité par rapport à ça qui fait très récemment, par rapport à crimes qui commettent contre pays, hein, qui doivent réparer. Donc, dans ce sens, ça n'a pas qu'à continuer comme si business as usual, n'a pas continué à faire même bagaille qui menait des catastrophes, et puis nous prétendons que, bah, ça va résoudre question insécurité dans pays, hein. Donc, nous-mêmes nous dit que la question de l'insécurité, d'abord, font nous well dans trois dimensions. Premièrement, les politiques. OK? Et c'est pas la première fois que nous vivons des formes tragiques d'insécurité. N'a pas changé, par exemple, des bagailles de frappe.
côté que ou gagne non seulement la répression qui est exercée par la police et les forces armées, mais il y a des formes informelles de sécurité, c'est pas? Et il est clair que et insécurité aujourd'hui, il est possible parce que gangs bénéficiaient d'un approvisionnement presque illimité en armes et munitions et d'une impunité presque totale. Ça veut dire que solution d'abord doit être politique, là nous couper liaison organique qui existait entre les responsables de l'État haïtien et gangs ça. Et me croit que gang pile preuve qui démontrait ça. Donc ça c'est première dimension. OK, yo puissant, yo fort parce que yo adossé à la puissance de l'État. Deuxième dimension, c'est que question d'un terreau qui favorable à gagner, qui favorable à recrutement tout un ensemble de jeunes qui désespérés parce que on a une situation côté société hein, fait que comme si on pas existé, côté société en rejeté, côté société en pas, il y a des centaines de milliers de monde qui viennent rester Port-au-Prince chaque année, pas aucune préparation, c'est un seul pays dans zone côté pas aucun programme de logement sociaux véritable. Donc on trange une frange de population qui sentit que complètement abandonné, méprisé par système de dominant. Donc, faut qu'on gagne des politiques économiques et sociales d'intégration, des politiques économiques et sociales qui passent sous exclusion et violence systématique contre une majorité population, hein, et qui permettent qu'on gagne tout un ensemble de relations sociales qui sont différentes et qui montrent que tout citoyen participe à la construction nationale. Et troisièmement, évidemment, la question militaire et policière, faut que nous gagne des forces publiques, qui c'est des forces publiques, qui pas des forces publiques qui étaient formatées par la MINUSTAH, ou par des missions étrangères, mais des forces publiques qui connectaient avec un projet de développement national, un projet de refondation nationale, et qui a fait que chaque policier connaît que l'il est là pour défendre la population, que l'il n'est pas là pour lui servir, ils ont dit le drogue, il n'est pas là pour lui prendre des dollars américains dans n'importe qui trafiquant, mais l'il est là pour le capable de défendre la population et assurer la sécurité de la population. Malheureusement, police que nous avons aujourd'hui, hein, pour formater à l'intérieur de une vision et un projet néocolonial, donc les formater au départ avec des incapacités. On se compte, on va poser question. Mais pour Monsieur Chambers, nous donnons trois axes au défi de là. Mais mon capitaine, dans quartier Capataki, le moment on a parlé là, qui c'est Solino, qui c'est Cafoufeuille, et qui bandit à Capataki, violé fille, violé Timoun, tout le monde. Vous pensez attentif avec toi axes à développer là, ou bien au besoin de réponse rapide et urgente? Bon, il est clair que nous besoin de réponse rapide. Et population a démontré capacité déjà pour la réponse rapide ça le 23 24 avril dans la zone du canapé vert, côté que à partir du moment qu'on gagne un réveil citoyen des organisations combatives qui liées à des policiers, OK, gain possibilité pour maîtriser question insécurité, hein, pas dit pour éliminer la 100%, hein, mais au moins nous t'ai que pendant plusieurs semaines t'ai une baisse significative de l'insécurité dans Port-au-Prince. Donc, ça veut dire que n'ont pas dit ça. Moi dit que faut gagner des organisations d'autodéfense adossées dans l'immédiat, professeur Chalmers. Comment résoudre le problème qui est là? Qui gens pour nous faire, pour nous mettre fin avec assaut répété gangueur dans plusieurs quartiers, dans Cafoufeuille, dans Lilavoie, dans Solino, dans Tabar, dans Croix des Bouquets, dans l'immédiat? Dans l'immédiat, il faut que nous gagnions des autorités qui politiques qui pas liées à gang, des autorités politiques qui peuvent assurer impunité gang, des autorités politiques et une coopération internationale qui assécher approvisionnement yo en armes et munitions, parce qu'on connaît que c'est un trafic d'armes qui est très actif et qui permet que justement yo gagne d'armes ça pour terroriser population, hein? OK, et tout ensemble de mécanismes au niveau judiciaire qui permettent que crime ça yo paye pour yo. Donc si me comprenez bien, ouais? Donc dans ce sens, il est évident que jodi hein, ou intervention étrangère pas résoudre problème de sécurité hein, de façon radicale. Il est capable mettre un petit calme momentané pour être capable soi-disant organiser des élections et reproduire tête sous pouvoir, mais il pas vraiment permettre résoudre problème non de façon structurelle, parce que le problème est d'abord politique, puis économique et social. Et il y a tout à formatage force de sécurité que nous gagnons dans le pays. Si vous comprenez bien, je dis à vendredi, si nous changeons de leadership politique là, nous choisissons des responsables qui pas, selon je dis à de connivence avec gang, je dis à vendredi, lundi, problème de sécurité à résoudre. Bon, là, on peut poser une question très mécanique, ça étonne de vous. Il est clair que la question,
Il posait, non, la question se pose, en fait, que nous gagnons, justement, des liens. Et justement, le fait que population est pas gagne capacité, je veux dire, pour être capable de camper face à Gagnon, c'est parce que le connaît que Gagnon gagne appui l'État. C'est parce que le connaît que Gagnon gagne appui, en termes de munitions et d'armes, et d'armement, c'est pas? Mais à partir du moment que gagne n'importe qui signale, qui montrait que bon changement au niveau de l'État, que bon changement au niveau de même les sympathies par rapport, par exemple, ouais, par, même les radios Magic 9 t'as dénoncé silence autorité, par exemple, sous crime qu'a fait chaque jour, yo, tu vois, ça veut dire même au niveau de la communication, signal au niveau de fonctionnement et force publique, yo, hein, c'est pas connexion qui gagne entre toute force de maintien de l'ordre en Haïti avec tout corps spécialisé qui t'a montré véritablement volonté politique claire de défendre la population, immédiatement, c'est des signaux qui t'a changé rapport de force. Yo. Ouais. Donc, c'est des bagarres qui t'a fait assez rapidement, pas dit que là, peut-être en 3 jours, mais il est évident que population a suivi, et population voit très bien que l'ivoué complètement à l'abandon et que c'est des alliances qu'a fait avec les 1000 au lieu que des alliances qu'a fait pour protéger les. Et donc, justement, c'est ça que nous... Que la police nationale là, il y a moyen, capacité, technique, d'intervention pour que les résoudre le problème. Ça. C'est ah, mais c'est très clair. C'est très, très clair. Ça veut dire que, et alors, nous-mêmes, nous pensons que je dis en police est extrêmement affaibli, par exemple, en effectif. Non seulement, il était parlé de 9000 policiers actifs, mais nous connaissons que Gampil pile qui allait dans Biden, c'est pas? Donc, il est clair que vous besoin de renforcement de la police, ou besoin de question de formation, ou besoin d'amélioration au niveau équipement, mais son coopération qui a été faite dans le respect de la souveraineté nationale. Et de manière différente, dis-nous là, c'est, nous demandons est-ce que actuellement la population a une capacité technique pour que les problèmes non, ou dit oui, après ça, on a une bonne bagaille que le besoin. Donc, il n'y a pas de capacité. Non, pas dit. Non, mais d'où que, dans le problème de sécurité, je vais le présenter dans le volume et dans la nature que l'il y a là, je dis, hein, 23 avril, démontrer qu'on est capable d'un changement de climat rapide à partir du moment que tu as une volonté politique réelle de police pour camper avec la population. Hein, pas? Oui, il faut que 23 avril, plusieurs fois. Ça qui passe le 23 avril, rappelez-nous. Non, début bois. 23 avril, gagné une défaite militaire de Gagnon dans le canapé vert. Mes amis, nous nous entendons, oui. Pas de maladie, pas de l'embord, car grave. Effectivement, moi-même, approche-moi sous question et légitimation ou bien pouvoir l'État, Ariel Henry avec le gouvernement là, qui a légitimisé gang armé au là. Il est clair que pour l'opinion publique là, pour nous arriver à accepter, pour nous la nécessité, pour étranger à débarquer la caille nous, vinn fouler sol nous, vinn violer souveraineté nous, faut que nous nous situation côté que nous pas gagne à qui crier, nous pas gagne à qui reler, faut que nous nous situation côté nous senti que force policier nous gagne force armée nous gagne dedans pays yo pas capable encore. Faut yo mette nous en situation côté que nous ouais que t'es la police que t'es la médaille yo pas carré que merde donc yo pral vinn créer possibilité pour nous mêmes pour nous finalement accepter l'inacceptable n'importe pays il est à sous la terre béni automatiquement ou accepter que yo l'autre force étranger automatiquement ou accepter militaire l'autre pays débarquer la caillou pour venir do même le serou taré léo gien violation souveraineté qui fait parce que automatiquement ou prend indépendance ou automatiquement ou du grand monde Jean Saté 1er janvier 1804 nous prend indépendance nous faut nous te ka défendre tête nous pour corps nous faut nous te ka continuer assumer indépendance nous c'est grand monde la caille nous etc. n'a régler bagay nous pour corps nous n'a problème nous n'a chercher solution n'a chercher façon pour nous sortir tête nous. Mais l'op gade dans l'histoire pays, l'op gade première occupation américaine direct ou prend 1915, yon débarqué sous sol pays. À partir de là, de 1915, 1934, monsieur yon allé yon quitte Haïti, nous pas une occupation formelle encore pour tout le monde, pour yon le monde braqué sous Haïti côté que gagne militaire étranger qui fout les sol là. Mais l'on a rentré dans l'époque contemporaine nan, avec question Aristide Blanc-Mené, Aristide Tourné et 94 gen militaire américain qui sous sol là
À partir de là, nous commençons à accepter une forme de tutelle fictive ou bien une forme d'occupation fictive sur Haïti. Parce que depuis les militaires étrangers continuent à fouler le sol ou continuent à débarquer dans le pays, soit parce que ils ont fini de créer chaos et puis ils disent que même encore pour aller pour venir gérer, pour venir gérer, automatiquement nous avons une situation d'incertitude par rapport avec l'avenir du pays. Nous. Dans ce qui est pour avec stabilité. C'est exactement ça que nous avons vu aujourd'hui en Haïti. 1915-1934, nous prenons et plus proche. Et année nous prend 94 Aristide, nous prend et 2004 avec MINUSTAH, 2017 yo allé yo fait bagay la pi soup avec BINU. Jusqu'à présent BINU la kor group bagay la pi soup toujours, mais qu'on y a l'heure réellement de en 2023 là pour gagner yon déploiement force multinationale qui fait en Haïti. Et ces messieurs encore qui créent conditions, ces messieurs qui rabaissent PNH, qui affaiblit PNH, là nous avons un complot qui bien préparé, un complot qui bien manigassé. Est-ce que complot ça, c'est seulement et Jean professeur à reconnaître les États-Unis qui derrière? Est-ce que dans complot ça pas gagné l'autre pays dans communauté internationale dans cap soutenir lui? C'est la grande question. Journée jodi en moun ka fou feuille. Moun Solino Joune jodi an la, moun Peigné, moun Latibonite, moun ki nan divers lot section, lot zone, kote ke bandi ap mache sou fiel yo, bandi ap rentre la kay yo. Sou mande yo nan moment la, ki sa yo vle, ki sa yo bezwen. Yap dou ba yo blan, yap dou, yap ton force multinationale vin troke konak gang, vin troke konak bandi, parce que yo même yo pa kapab anko, moun Latibonite exemple vivant. Moun Latibonite c'est exemple vivant. Nous c'est avant-hier là, moun ka fou fait une situation difficile. Moun Latibonite depuis le gen changement DDA, yo voyon nouveau directeur départemental dans Latibonite là. Nèg sa pas jamais lever le petit doigt non pour moun Latibonite. Pour moun département, pas jamais lever le petit doigt non malgré bandi a marché sous fiel moun Yankou. Malgré bandi a marché sous fiel moun de Chapelle, sous fiel moun Verret. Yo pas jamais fait rien. Yo pas jamais fait rien pour moun yo senti yo abandonné, moun sa yo nan moment là sou mande yo est-ce que yo d'accord, est-ce que yo favorable pour bon force d'intervention en Haïti. Mbo garanti sou 100 moun a pose question, si tout les sans pas dou oui yo d'accord, mais konne 99 ap dou yo d'accord, parce que yo non situation côté que autorité police la caillo, force militaire la caillo abandonné yo ba yo vague. Bon, nan kafou feuille nous ouais et premier ministre de facto il montre que il y a déploiement qu'a fait, il y a visite qu'a fait, etc. La visite et direction générale la police, CSPN dépassé l'ordre formel, etc. pour renforcer sécurité à et nan kafou feuille, etc. Oui, il faut que des dispositions qui prend, mais pour qui résultat? Moi, je n'ai aucun problème des dispositions qui prend à droite, des dispositions qui prend à gauche, parce que chaque jour, je demande à l'État d'assumer responsabilité, de prendre des dispositions. Faut que vous preniez des dispositions. Maintenant, c'est pour qui résultat? C'est résultat nous voulons. C'est résultat nous cherchons. C'est résultat nous besoin. C'est résultat nous besoin. C'est pour ça que vous avez touché l'argent. C'est pour ça que vous payé deuxième résidence. Vous avez payé et caille pour madame, yo, pour petit, yo, pour yo à l'aise, pendant que nous pas à l'aise. Bandi retiré à l'aise, nous gang retiré à l'aise, nous. Kounya, par rapport avec situation, par rapport avec gang sa yo, que autorité l'État yo a cherché légitimer, par rapport avec bandi yo, que autorité yo a cherché légitimer pour montrer faiblesse institution PNH, pour montrer que l'État est impuissant par rapport avec attaque yo, eh bien, communauté internationale, là, Nations Unies, et nous, ouais, le secrétaire général Nations Unies, Antonio Guterres, lui montrer que lui vraiment préoccupé par sa capacité en dedans pays, eh bien, il prend décision pour y intervenir. Intervenir comment? Intervenir à travers le Conseil de sécurité Nations Unies. Eh bien, comme il y a quelques acteurs politiques en Haïti, il y a quelques membres de la société civile qui en face à Ariel Henry, malgré toute attaque, malgré toute façon yo wè, pour yo ta chavire Ariel, toute tentative yo fait yo wè en pas marché, yo cherché un appui, yo cherché un aide, yo cherché un support dans l'international. Comme yo wè, c'est la Russie,
comme yo ouais, c'est la Chine qui toujours hostile par rapport à avec déploiement force en Haïti, qui toujours prend position yo même, qui toujours compte. Eh bien, yo décide kounya pour yo aller vers moun sa, yo aller parler avec yo. Faire influence diplomatique, là faire lobby pour yo garder comment nan prochain réunion k'ap gen sou le dossier Haïti, nan sa ki gen pour avec force, pour la Russie toujours été défavorable, pour la Chine toujours été défavorable. Maintenant, posez des questions. Pour qui ça nan moment là yo choisi pour yo écrit avec président Union africaine, nan président et chef d'état Union africaine? Pour qui raison? Nan moment là, nous voyons que gen ensemble de pays africains qui décidaient retirer koyo en bas pays la France. Retirer koyo en bas emprise coloniale française. Eh bien, c'est bon moment. Yo estime c'est bon moment pour la nan pied et Haïti, parce que Haïti nous reconnaît racine, nous reconnaît côté nous sorti en Afrique là, nous reconnaît que descendant nous c'est là yo sorti, etc. Nous c'est descendant africain, grand parents nous ancêtres nous c'est en Afrique yo sorti. Bon, c'est bon moment pour écrire avec représentant et Union africaine non, pour qui ça? Parce que nan moment là l'op garder influence corps groupe en Haïti qui gagne États-Unis, qui gagne Canada, qui gagne la France, qui gagne l'Espagne, qui gagne chef Union européenne, etc., représentant Union européenne, y aurait ce bon moment pour yo demander Afrique aider yo sorti dans sa nouye là, parce que en dedans Conseil sécurité Nations Unies, le secrétaire général des Nations Unies te voye rapport dans jour qui sont passé là, c'est pas 15 pays voyel, 5 pays qui c'est membre permanent yo, avec 10 autres pays qui là qui a suivi ça qui a passé dedans conseil là. Et bien automatiquement ça fait livre le dit ça le dit en faut qu'Ariel lui-même n'en bon pas. Et comme Ariel n'a pas parlé, continue à faire lobby, il continue à gérer lobby et pour le ranger causé la prochaine réunion. On attend pour nous, est-ce que décision que acteur haïtien yo prend pour yo mande la Russie, pour yo mande pays africains, supporter yo, aider yo, est-ce que la pote résultat? Créole parle, créole comprend. Ça met quoi? Où ça met quoi pour école en dedans pays? Parce que chaque monde a objectif, chaque acteur nous est là a objectif parle. Ariel a ti goup pal, y a objectif pal. États-Unis, y a objectif pal. Chaque pays dans le Conseil de sécurité des Nations Unies, y a objectif pal par rapport avec Haïti, par rapport avec chaque autre pays. Et c'est ça que fait nous toujours dire. Et ou même tout, ou qu'on est, y a deux pays, y a pas des amis. Pays, y a des intérêts. Chaque monde a géré intérêt, chaque monde a cherché protéger intérêt. En tant qu'Haïtien, qui ça qui intérêt pas nous? Qui intérêt nous voulons protéger, qui intérêt nous voulons préserver. Et c'est ça que fait pas jamblier jour 23 avril ça. Pas jamblier pour qui ça, parce que haïtien moun nan canapé vert yo té décidé pour yo prendre responsabilité yo en main. Yo té décidé pour yo assumer responsabilité. Bandi débarqué dans zone yo, nèg ak gros enfant une fois débarqué dans zone yo, eh bien yo décidé yo pral ratiboiser, yo pral chercher yo pour yo mettre fin dans carrière yo. À partir de là mouvement bois calé a commencé. Même pouvoir Ariel Henry a nèg yo fait tout ça yo konnen, nèg yo joué coin oui pour yo garder comment yo te craser mouvement. Parce que le bois calé vini qui ça vini faire? Bois calé vini, li vini intimider gang yo te kon ap intimider nous, bandi yo te kon ap intimider nous, empêcher nous sorti la caille nous la caille nous pas en sécurité, empêcher nous mener petit nous l'école, empêcher nous le travail, empêcher nous à l'aise, c'est stress cap touyer nous. Et bien avec mouvement bois calé a nous vite mettre tout bandi, nous vite mettre tout chef gang dans petit soulier yo, nèg yo commencé inquiéter, nèg yo commencé peur. Et bien qui ça yo fait? Yo chercher toute façon, yo cherche vie gren pion yo, vie gren jouè yo, yo fe infiltre mouvement bois calé ya. Peu à peu, autant de bois calé, on bandi pour bois calé, autant de bois calé a te mal ba, etc. Jusqu'à ce que mouvement vin détériorer et puis bandi commence à marcher sous fiel. On te toujours dit, na fon mouvement assure nous que mouvement li fait. Un, pas de moun ki infiltre l. Deux, pas de innocent passe pour coupable. Et puis après ça, bois calé li. Mais malheureusement, mot d'ordre pas respecté, et finalement
mouvement le pral vin tombe à l'eau. Elle a pral vin tombe à te. Et nan moment n'a parlé à nous constate elle. Nous constate ki dega bandi a fait. Nous constate je bandi yo ap rentre la kay moun touye moun. Parce que l'État pas assumé responsabilité. L'autorité pas pris contrôle territoire perdu. Yo quitte tout côté bandi, bandi rentre yo quitte l'. Monsieur dame yo préféré rele territoire perdu. Ministre justice a fait figure bien dur du territoire perdu. Et nan moment n'a parlé à depuis là elle fait déclaration jour nan moment n'a parlé à là territoire ça yo l'état pas jamais fait yo pas jamais souke quoi pour comment on t'a récupérer yo perdu net perdu net. Eh bien mes amis, je n'ai pas gardé avec moi nan vidéo ça là. Eh bien c'est drone ISO village de Dieu chef gang criminel bandit notre ça qui sous tête sous commissariat Portail Léogan. Nous songeons dans temps passé yo même sous commissariat ça t'était inactif, li pas fonctionnel pour qui ça parce que même bandi village, même bandi Izo yo, yo te attaqué sous commissariat, policier ont été obligé courir sous commissariat, tout moun obligé péter courir sous commissariat te vide, li livré à lui-même. Et bien malgré après plusieurs tentatives, sous commissariat a commencé à fonctionner normalement encore. Et bien je regarde le drone là. La, Izo m'a dit d'accord ou bien d'accord avec moi, d'accord ou pas, Izo prend contrôle sous commissariat. Li pas prend contrôle sous commissariat parce que le voye bandi, parce que le voye gang à attaquer policier ou comme était policier dehors pour montrer li prend sous commissariat comme un symbole. Mais imaginez où ces policiers dans sous commissariat pour aller organe dans leur travail et puis un chef gang dans cou Izo on bandit notre dans cou Izo li mettait drone ni sous tête ou la veille rentre la veille sorti ou a fait circulation le connaît li compte tout faire gestes ou compte tout petit mouvement nous fait et pour pral dim en tant que policier. Ou pral dim en tant que moun yo mette non commissariat pour desservir en communauté en population, pral dim laisse pou poser pour bay service. Et c'est une des raisons pral comprendre là ou gen policier qui nan gang, gen policier qui avec bandi k ap travay pou bandi, oui. Automatiquement policier a état d'esprit. Tête li bon nom ni pas sou li. État d'esprit li pas senti confortable pour le travail. Non espacio metel parce que bandi contrôle zone là c'est soit policier li rete le bal travail li quitte PNH ou bien li ali avec gang avec bandi pour sortir la sécurité oui pour le protéger ville oui c'est comme ça bagay yo vin fait kounya nan moment là oui imagine on chak devant sous commissariat ils ont gen contrôle li si chat a dit l'a quitté Portail Léogan l'a prend direction et li a prend direction Matisan nèg yo rete konnen alors que le la police yo pral mener opération. Nan village de yo pral mener opération et village de Dieu pou al déchouke Izo le yo avec un drone rapide ki sa Izo fait Izo descend drone nan yo tire sou drone nan yo descend ni drone la police pa ka gérer le parce que bandi Izo yo nèg nan village yo gen contrôle périmètre yo gen contrôle zone alors que policier travail non sous commissariat yo pa même gen contrôle. Yo pa même gen contrôle commissariat, yo pa gen contrôle dehors commissariat, yo pa gen contrôle en lè parce que c'est Izo, c'est bandi qui contrôle zone là, qui contrôle périmètre là. Kou nou pral di m gen chef nan pays an. Sou pa ka admettre c'est bandi k'ap dirije et les matériel té vini avec concept bandi légal, li té gen raison. Li té gen raison pour vini avec concept bandi légal là. Et son point extrêmement sensible m'pral toucher là. Politicien, hier j'aime des nous politiciens ont besoin bandi yo pour faire gagner élection ou bien là on fin gagner élection pour aider au consolider pouvoir yo. L'illégal. Bandi ça, chef gang ça qui aide au prend pouvoir cap géro sous pouvoir pour pas perdre du pouvoir. Automatiquement ou légitime position lui. Homme d'affaires ça cap bay bandi zam, cap bay bandi l'argent qui en relation avec bandi yo. Ou légitime autorité bandi ou légitime pouvoir bandi en gen oui. Donc quel te politicien, quel te businessman, quel te gang
tout moun sa ou ki gen zami légal ka fè action activité illégale action illégale dans le pays yo vin sou c'est légal c'est nous même qui illégal dans le pays. C'est nous même bandi a touyé bandi a appauvri c'est nous qui légal c'est nous pas gen place nous c'est nous pas gen place nous jounen jodi la m pa wè a ki figi ou pral déconseiller un haïtien. Si moun nan gen possibilité pour quitter Haïti pour aller chercher l'avenir en l'autre côté, ba wè a ki figi pour moun ap décourager yo. Parce que yo pas en sécurité vraiment, yo pas en sécurité. Ou pas en sécurité parce que policier qui la pour protéger, c'est bandi k'ap décider qui lè l'ap éteindre souf tel policier, qui lè l'ap attaquer tel commissariat, qui lè l'ap faire ceci, qui lè l'ap faire cela. Ils ont nèg sa arrêté pour yo mettre drone sur tête DG la police. Hein? Yo rete pou yo mette drone yo sou tête inspection générale sou tête DCPJ parce que yo pa jam fè rien. Nèg sa yo chita dè bureau yo pa ramble glon merde, yo pa fè rien. Donc li pral paraît tout à fait légitime pou bandi an rentrer nan fief. Pou bandi an rive sou yo. Là on gade avec moi et en photo visite premier ministre Ariel Henry dans direction et général la police. Nèg sa yo c'est photo seulement yo vinn faire. Photo yo vinn faire. Ariel al visiter direction générale la police. On nous comprend, on essaie de comprendre. Avant, il y a une note qui sortit, communiqué qui sortit, qui dit que le premier ministre Ariel Henry et CSPN n'a passé l'ordre formel avec la police et pour renforcer les zones côté bandi, à terroriser la population, pour protéger la population, etc. Mais quand il y a là maintenant, hier, Ariel débarqué dans la direction générale et la police. Là, il rencontre Ariel Meshita avec Détroit et Mouna au commandement la police. Fait photo. Moi, je me demande, est-ce que malade elle était malade? Qui fait Ariel te visiter? Parce que, honnêtement, Mamdou, si CSPN passe l'ordre, et dans CSPN, qui est-ce qui dans CSPN? C'est Ariel qui dans CSPN, c'est ministre justice qui dans CSPN, Emily Prophète. C'est qui est-ce qui dans CSPN encore? C'est France LB comme DG la police, c'est Fritz Saint-Fort comme DG et comme IG la police. C'est yo. Nous te chita ensemble pour nous étudier une stratégie pour nous attaquer bandi. Et puis quand on commencé ou dis moi visiter yo, bon qui sera le faire là encore? Comme si l'autre là pour fin passer. L'autre là pour fin passer, puis on va le prendre LB pour montrer comment on va l'exécuter. Pas aucun problème comme nèg en Haïti. Yo pa rien pour yo faire. C'est pour mener y a pour mener, c'est temps y a perdu. Continue à perdre du temps. Parce que journée jodi là, nous pas besoin nèg k'ap pour mener monter descendre, nous besoin nèg k'ap poser action. Nous besoin moun k'ap poser action. Parce que Timbouchan Ariel tellement bon. Ariel tellement bon, n'a pas parlé Ariel fait nous dormir 2 ans là, tête frette, nous gagne 2 ans là, Ariel a ba nous dialogue, n'a prend dialogue dans Ariel. Pour l'âge Ariel me saisi ouais bouchon moun qui douce comme ça. Et entre-temps, bandi a marché sur nous. Entre-temps, bandi continue à terroriser population. Hier, nèg kanaran yo fait un gros attaque sur moun bon repos sur moun li la voix. Et il y a une information qui a circulé qui fait quoi que objectif bandi yo c'est arriver prendre contrôle et sous commissariat et bon repos. C'est arriver prendre contrôle sous commissariat pour yo montrer yo puissant, pour yo montrer influence, pour yo montrer c'est eux même qui chef zone, c'est eux même qui a fait ceci, qui a fait cela. Ça pour nèg yo fait dans moment là moi m'estime qui important non seulement pour protéger population mais tout pour protéger institution, image institution. Nous pas qu'à en tant que haut état-major la police, en tant que membre CSPN, pour nous quitter bandi à plaider pour contrôle commissariat, sous-commissariat, antenne police, mettez policier dehors, fusiller policier, massacrer policier, comme si de rien n'était, nous là, nous pas jamais faire un sérieux, nous pas jamais poser action qui vraiment sérieux, qui concrète. Attendez. Nous gagnons au ministère de défense. Nous gagnons la médaille d'Haïti qui là. Nous songe ouais journée jodi an la gagne l'opre et Steven Benoît l'opre divers l'autre acteur politique qui a demandé pour déployer l'armée. C'est même yo même Jovenel qui était dou l'armée ça, c'est l'armée pour pétrole qui dou l'armée ça et l'armée Jovenel, l'armée ceci. Yo te bal tout non. Journée jodi an yo ouais nécessité pour l'armée déployer. Comprendre bien, là elle a pas bon en genèg yo.
les nègres finalement ouais yo dans erreur nègres finalement conscient que yo participer dans cas pays qu'il y a yo tourné vers institution ça yo yo tourné yo viré vers institution ça yo que yo te reproché Jovenel Moïse qui te créé yo. Bref, en nous avancer. Militaire ça qui là, soldat ça qui dans la médaille qui quand on est en base, qui rete en base, qui pas fait rien, monsieur ou que monsieur a envie de travailler, mesdames a envie de travailler. Bah travail pour yon faire. Yon entre dans l'armée, c'est pour yon vin défendre pays, c'est pour yon vin combattre moun ka nuit pays yo. Moun ka première des populations. Eh bien, bah yon al combattre bandits, vagabonds, criminels, gangs a yo. Or, yon préfère prendre soldat, yon préfère prendre militaire, mettre dans sécurité. Li préfère prendre soldat, yon fait tourner agent de sécurité. Tout côté Ariel Bralo a un groupe militaire qui derrière qui a bail sécurité. Mais moun ka fou fè qui besoin sécurité, qui descend, qui débarque dans local FADH, barrière fermé pour yo. Frappé, porte là déjà fermé. Pas de soldat qui a sorti. Rele, porte là déjà fermé, tout militaire dans base. Comprenez bien. Là, moi finalement m'a d'accord avec professeur Camille Chalmers. Mais yo légitime gang yo nan moment là yo bay gang yo toute légitimité yo pour yo marcher sous fiel population pour ka joigne yo argument solide viable pour montrer international pour montrer et Conseil de sécurité Nations Unies que nan moment là gagné yon nécessité nan moment là gon urgente nécessité pour yo déployer force là parce que bandi a touyer nous tout bon c'est ça nèg yo a fait là. Eh bien, en parlant de bandi k'ap touyer nous a cherché qui qualité moun qui quantité moun qui des actions criminelles yo des actions bandi yo gen politisyen là-dedans yo gen membre société civile là-dedans yo gen businessman là-dedans yo nous longe doit sous corps groupe nous longe doit sous différents en dedans paysan qui impliqué qui d'une manière ou d'une autre yo gen droit de tremper dans insécurité dans cycle de violence infernale ça qui a brassé les sociétés a si pour pile moun journée jodi an là c'est nèg qui était en face Jovenel Moïse yo qui mène paysan là qui traîne Haïti côté lié là dans chaos ça et bien matin là gagné ancien sénateur Antonio Cherami di Don Kato, eh bien, journaliste RTVC yo, ta pose l quelques questions sou bandi, sou violence ki gen nan peyi an nan moment la. Sou question gang ka brase bil société a bil peyi an nan moment la. Don Kato, se sénateur l'Ouest ite. Donc, ou te sénateur l'Ouest, nan moment là nous tout well tout en tant qu'ancien sénateur que département l'ouest seul pas bon même li pourri senti malignant pire net en tant que sénateur l'ouest li évident li important pour nous gagner position li sous sa qui a passé là puisque nous connaît département l'ouest seul pas jam facile pour un candidat ni sot koto sorti pour fourer terre tout pour dire ou élu. Pour député élu dans diverses circonscriptions dans pays là dans l'ouest yo gen relation avec gang yo gen relation avec bandi donc il est important que quelques questions pour nous ta poser ancien sénateur pour nous connaître est-ce que ça va jamais river gen relation avec bandi est-ce que l'était est sénateur de la république ni pas jamais connait tete lang avec bandi et qui ça ça dit journée jodi là pays qui gangsterisé qui ça dit journée jodi là le te dans opposition en face Jovenel Moïse qui ton président élu yo pas de vle ouais faut qu'il te aille faut qu'il te baille pouvoir il te dans opposition contre Jovenel Moïse en face Jovenel Moïse journée jodi deux ans quelques mois après assassinat président Jovenel Moïse comment pays et comment le pays alors que ses compatriotes li c'est combattant, c'est confrère, consul yo qui sous pouvoir qui prend décision pour nous. Eh bien, m'bral ki te otande ki réponse ancien sénateur a li tap baye. Mais ça qui est beaucoup plus important, c'est ou même en tant qu'haïtien.
en tant que moun qui t'a suivi, Pakou Don Kato comme sénateur de la République, divers bagay li implique la del comme sénateur de la République pour juger réponse Libral Bayo. Ça important et extrêmement important. En nous tendant ensemble, comment ancien sénateur t'a répondu question yo? Oui, nous t'a dit tout à l'heure, situation vraiment senti du, si n'a fait toute nouvelle qui a bayo la confiance par rapport à ça qu'a développé dans plusieurs zones là. Et dernière zone en date là qui fait en pile parler, c'est Carrefour Feuille ou même comme ancien sénateur l'Ouest, ça dit qui ça? Bon, il y en a pas que me dit d'abord et c'est irresponsabilité encore une fois l'État. L'aime de l'État. Nous tous connaissons depuis nous parler de sécurité publique, depuis nous parler de sécurité, nous la police, nous la justice, nous et toutes CSPN, même les nous toujours, tout le monde connaît son gouvernement de facto qui l'a je dis, mais ça pas vrai dit. Il n'y a pas de responsabilité dans ça pour, face à ça qui a passé, je veux dire. Pour ne pas courir dit dans ça qui a passé, je veux dire. Et nous, ouais, nous, un pays, côté, chaque nègre, c'est à faire par eux à régler. Chaque femme qui est dans l'État, c'est bagaille par eux à régler ou pas vraiment sensible. Et nous, toujours dit, monde qui pas sensible, pas qu'à gérer pays, ça l'aime de sensible, pour crier, moun défavorisé ou pour cri pauvre ou pour cri moun qui vraiment pas gen voix ou dit pour pas sensible pour cri moun sa ou dit pour pas un moun qui vraiment connaît l'or rivé dans tête l'état si servi ou bien servi n'a toujours tombé dans ça nous tombé ou gagne une histoire gagne un bon côté ou yo sorti yo pas formé tête pour compte yo gagne c'est pas les âmes dans sorti dans ciel li tombé dans main yo. Gang nan c'est pas et c'est pas roche li prend maintenant dans zam nan pour tirer gon marché munition parallèlement qui ouvert ça veut dire gon mouvement économique qui a fait dans le pays hein. Or qui est-ce qui a subi toute frappe ça c'est couche défavorisé hein. Donc on y a pour qui ça d'un coup tout nèg yo levé pour y a prendre contrôle en série des zones faut que nous pas oublier nous non contexte. Côté nous-mêmes, nous ne devons pas courir à l'élection. Moi-même, personnellement, je ne parle pas à l'élection. Pour qui ça? Trois cas qui ont voté mieux, c'est qu'il y a couru qui était zone. Je ne peux pas parler d'élection. Mais il faut que nous ne pas oublier la communauté internationale, là, lui-même, à un certain moment, qui était campé pour te légaliser, pour te légitimer. On série des mouvements qui capotent les âmes. Moi, ça, je ne peux pas venir d'accord que vous échouez. Si n'a pas tant ces communautés internationales là qui a dit l'échouer, ça c'est menti. Je dis à qui ça a voulu faire. Il voulait quel que soit agence aïe, il faut que nous rentrions dans l'élection. On nous connaît des gens qui ont des problèmes, qui ont des comptes à rendre dans le pays. Ils connaissent ou pas de droit même pour une seconde, pas de pouvoir. Je dis à moun sa yo, si c'est eux-mêmes qui te mettez base gang sa yo, faut que vous prenez territoire. Et les prennent territoire, vous pas besoin qu'on est si ni peuple en danger, si peuple a souffri, si peuple a mourir, ça qui est important pour vous, c'est pour gagner ouvert quoi, pour si t'as une éventuelle élection, eux-mêmes pour faire élection avec gang parce que, principal objectif, c'est qu'il y ait pouvoir pour y aller à l'élection avec gang et pour arrêter, pour continuer et pour contrôle l'espace public, pour continuer pour contrôler l'État. Parce que je vous dis à l'éclair que c'est même mouvement, c'est même nègre qui l'a. Qui ça, depuis Ariel Monté, il prend comme décision que nous avons dit mon décision, Ariel te prend. Avec chef police là, avec et tout le monde qui enchaîne et justice là, mais qui décision nous te prend pour te faciliter population arrêter la Kaili. À un certain moment, nous prenons les mounions ici pour un souffle là, c'est eux-mêmes qui mettent tête ensemble à travers un mouvement qui est le Bois-Calais. Et mouvement ça prend pour une frappe.
frappe que mouvement ça pral prend, c'est les gars des politiciens qui cachent qu'a essayer fourrer meilleur dans le mouvement ça, on ça ce mouvement des citoyens qui dans zone yo mettent tête yo ensemble, yo dit bah ouvrez zone là. Les yo rentrer, yo faufiler, yo faibli initiative citoyen ça. Moi même moi pensé jodi hein. Message moi c'est pour me parler un avec l'État. L'État ça qui là, l'État qui ou même a dépensé l'argent population chaque jour. Il débloque l'argent ou pas j'aime comme ça ou règle avec l'argent. Pas gen parlement côté m'te ka traîné ou pour mettre quelque pression sur ou pour me faire ou parler ben moi pas gen bagaille comme ça. Jodi a yo sou gade tête yo sécuriser tête yo mettre au confortable et puis yo lagué res population. Qui ça bagaille là? Jodi on vle à la Tibonite. Nous connaît depuis qu'il est gang ça au prochain dans la Tibonite. Nous connaît depuis qu'il est moun pa ka traverser Matissan depuis son ancien président. Moun pa ka traverser Matissan bon mais Ariel vini, li vini pi mal. Ça veut dire pas de quel effort qui pose vrai. Nous ka garder 4e section Pétionville Fort Jacques jodi an paysan obligé courir à quitter Janel. Li obligé courir à quitter Janel pour qui ça? C'est parce que les gazam décidé occuper tout espace ça yo. Nous ka garder Canaan, nous ka garder une série de zones, nous ka garder tabac côté pas par la vola moun yo en difficulté. Nous ka garder Kafoufeuil jodi an moun yo obligé à courir quitter la caillou. Qui est-ce qui fait à courir? Nous ka garder Torsel. Est-ce que zam ça yo? C'est des âmes qui sortent en l'air, qui tombent, bloup dans mes négos. C'est pas vrai. Il y a des gens qui parlent aux âmes. Non, je dis à mon message pour monsieur et qui pour tes amis. On va arriver sur le message à sénateur Kato, qui te pose une question ça très rapidement. Je dis à, il y a un pile monde qui croit. Réalité pays d'Haïti, qu'on est là, classe politique là, lit en quelque sorte des responsabilités par tout. Monde qui t'est occupé en ensemble de fonctions par le passé, que ce soit dans le pouvoir exécutif, que ce soit dans le pouvoir législatif, non degré moins dans le pouvoir et judiciaire là, guerrier, il y a des responsabilités tout. Ou même comme ancien sénateur, comme monde qui fait politique active, qui sort penser ou t'es droit fait ou pas fait et je dis à qui ben nous ça. Ou bien tout, est-ce qu'on pense sénateur Kato lui-même li gagné non niveau ou bien non l'autre ont certaines responsabilités par rapport à ça pays a qu'on est là situation triste ça que ou même vous souhaitez de nous décrire là. Moi même il n'a pas équipe de fait l'aime de arriver dans parlement pour me devoir un signal que ça me t'a chanté assez lui vienne fait. Il y en a premier bagage que me t'ai fait, me dit ouais plaque officielle là nous mettre Kembil on pas besoin. Ou quand pour qui ça me pas besoin? C'est pour machine moi même l'aime pas là-dedans au moins qu'on on déplace machine moi pour qu'on ait la police qui a fouillé à n'importe quel moment pas de plaque officielle dans machine moi pas de négazam. C'est ça que fait souvent on toujours dit au monde et quand t'as dit n'est qui t'es plein mon azam ou même si on a sénateur qui est très médiatisé donc au moins on fera un tapouem avec des négazam qui a bonne sécurité. Donc, je dis toujours tout le monde qui t'a même joué nos photos comme ça, un jouet publié, pour moi, parce que c'est bien, mais on photo comme ça. Côté Kato, il y a des négazams qui t'a balle sécurité. Tout le monde qui connaît, il y a des bails, pas quoi, non. Et spirituellement, je dis toujours tout le monde ça. Les moins que les amis, il y a des bails qui font qu'à sortir. Et ça qui a sorti 10 000 fois plus important que moi, les amis. Donc, t'aimer tout. Ça qui là. Yo. Je dis à qui ça qui est plus important pour nous dire. Oui, effectivement. Il y a des nègres qui passent dans l'État qui te plaisent de yo. Il y a des nègres qui passent dans l'État qui te plaisent de gazam qui ba ou sécurité. Je dis à côté nègres ça yo, côté zam ça yo. Yo important pour peuple à poser question ça yo. C'est pas parce que m'te dans parlement pour ignorer que t'es gen parlementaire qui t'es chargé de gazam et c'est toute qualité zam qui a ba ou sécurité. Même pas pour négliger tout que yon jouen conteneur zam qui a rentré sous nos l'église. Pas pour négliger tout yon jouen gros conteneur zam, des gangs qui chita qui dit mais qui est-ce qui a mis yo. Combien de fois yon prend, yon pose une action pour yon mari nèg sa ou qui a mis gang sa ou. Yo pas j'en fais. Chaque fois,
nous arrivons dans une situation, nous pas arrivé à faire démarcation, c'est population qui a payé. Je dis à bagay la claire, gang yo kon di ki, mais qui est-ce qu'on fait réunion, mais à qui, moi-même bon gang de filles. Dieu te croise carton fort et font chita par la velle. C'est plus gros problème. En pile là, c'est ça que fait l'em. Chita m'a fait live, m'a pas la peu point. En pile là, ou qu'on vient de bêtises en bas live là, m'a pas de problème parce que m'a connu pas de amis yo et m'a pas besoin d'appui au tout pour l'élection. Si m'a intéressé à question élection toujours dans le pays. Hein. Je dis à m'penser, effectivement, et monsieur Ferdinand, il y a des mondes politiques qui impliquent. Et c'est ça, même, je me suis commencé à dire. Ça, je ne suis pas sorti en l'air tombé. Mais plus gros monde qui a nourri les bagages là, je dis, c'est le monde qui a vendu munitions. Parce que si les n'ont pas de balles là-dedans, ils sont au bout de fer, ils ne sont pas rien. Donc, il y a des gens qui ont des âmes là, monsieur. Et puis, monsieur, même a marché kidnappé les gens, marché levé les gens, marché foncé des bagages pour aller acheter des munitions dans les gens. Donc, il faut que l'État, à travers le service de renseignement, nous-mêmes qui s'en défait l'NDW, ça a commencé à dégénérer. À l'époque, les nouveaux mouvements, ça a commencé à nous mettre pression. Nous avons chita avec l'ancien chef de police qui c'est Michel Angédéon. Gédéon t'es clair. Gédéon t'es clair, il dit gédéon. Puis, premier problème, d'abord, il est sorti dans le commandement de la police qui était décidé par prendre l'ordre dans mes chefs de police là. Qui t'a pris l'ordre dans mes palais national directement, qui t'a pris l'ordre dans mes Dimitri Rera directement. Or, nous connaissons qui ça moun sa ou t'a réglé dans le pays. Nous connaissons qui ça moun sa ou c'est des mouns qui pas clair. Moi-même, ça qui intéresse, moi, tout ça m'a parlé là. Ces couches défavorisées que je toujours bataille pour lui depuis 27 ans carrière. Je fais 27 ans carrière et là, je viens dans le Parlement. Je fais 4 ans seulement. Je fais 4 ans seulement comme parlementaire. Je fais 27 ans comme artiste. Je chante ton message. C'est ça que fait l'aimer. Je te dis peut-être moi, Don Kato, je dis Antonio, cher ami, ouais 4 ans, ouais 27 ans, Don Kato construit dans la misère. Pendant 4 ans, on a plutôt au bord de nos bayakou, plutôt au bord de nos chiens, plutôt au bord de toute qualité, non. Mais on pas dit ou contribuer dans les jeunes âmes. Mais on pas dit ou t'as le vent de vote. Mais on pas dit ou t'as le fond série de bagailles parce que ça y est, pas marché avec musique ou t'as chanté. Hein. Je dis à son bataille pour territoire qu'a fait pour ne préparer l'élection. Il y a des gens qui pensaient. Yo pap ka kontrole sa ka fèt la, yo commencé installer gang yo et c'est pas jodi a fèl, m dénoncé déjà, moi dénoncé la radio Caraïbe déjà, m di bon positionnement ka fèt a téa la pou nèg ta kontrole élection et la fèt nan différents départements. Il pas fait dans le département de l'Ouest seulement. Le département de l'Ouest son gros département qui représente 42% électorat national là. C'est normal pour nèg yo mettre plus pression sur lui. Mais l'orive la Tibonite qui représente l'autre force encore. Ou kawè nèg ap met une pression sur la Tibonite tout. Antonio Cerami, n'a pas fini et n'a pas tout permettre qu'on conclue avec question ça. Où t'es et campé en face pouvoir PHTK pendant tout temps où t'es sénateur et dans même dernière année et carrière comme artiste ou chantel en face Michel Martelly et pendant 4 ans sénateur où t'es comprend Jean jodi alors on regarde Jean pays à Vignier on regarde et comportement on série de anciens et camarades de combat est-ce qu'on pas gagné aucun regret côté bataille contre Jovenel Moïse dans Jean d'ab bataille côté là. Et si Jovenel Moïse retourne aujourd'hui à la, à même comportement de guerre, l'a toujours gagné, même Don Katoa, même opinion, même Jean de guerre, parce que c'est pas en question de Jovenel Moïse. Moi, c'est un monde qui n'en lutte. M'était dans la musique, m'attaché à lutte, moi. M'entrer dans la politique, m'était attaché à lutte, moi. Donc, quel que soit côté placé, discours m'pas gagné doit changer. Bon, qu'on y a, qui est-ce qui t'a, n'est-ce qui t'a même, qui décide de faire outre, pas contre si t'es non lutte, mais moi-même, moi non lutte. Ça veut dire, l'on non lutte, quel que soit le pouvoir qui vient en face ou, il faut qu'on ait été attaché à pouvoir. Et maintenant, m'a fait appel à monsieur Sayou, qui je dis à, en pile nan yon à jouer dans Ariel. Monsieur, contre lutte peuple là. Contre lutte peuple là.
faut que nous disions, peuple, à côté de lutte, moi-même, moi, je dis à m'tare, mais qu'on est qui est-ce qui t'a campé avec pour nous continuer à dire même parole, yo. Moi-même, moi, quand je dis même parole, yo. Parce que je n'ai pas besoin de dans mes groupes qui là, vraiment pas besoin de dans mes groupes qui là. Et je pas penser tout, un privilège qui a changé la condition de la vie, mon yo. Alpha un privilège, un bon pouvoir pas qu'à changer la vie, mon yo. Au contraire, c'est où la mettre en difficulté. Je vous dis à mon apkouri ka fou fey. Qui parole qui sorti dans bouche nous, monsieur? Qui s'en a dit mon ka fou fey yo? Mon belè, quand on soi-disant tende, n'est qu'à fait la paix. Quand on dit fait la paix, sous pas koubou en bas chef là, c'est tout bas yon nan. Ça, c'est la paix, pépé. On la paix, pépé, qui a préparé l'élection, pépé, pour mettre au président, pépé. En bas les belles. En groupe qui sont associations pépé. Je dis à moi-même, moi clair, faut que démarcation en fait, faut combat continuer à mener. Mais question de mon abdi, et si Jovenel tout le demain matin avec même comportement après Dieu, là je nous donne gâteau, même genre. Et bon, qui résultat, donne gâteau. Faut que nous pas oublier, dernier, donne gâteau. Action Jovenel posé, dernière action Jovenel posé, c'est Ariel Liberté. C'est ça qui fait que des nègres moins ouais qui pour te bourrer sur Ariel et puis qui t'en fasse Jovenel m'a demandé qui ça ou t'as cherché là où t'en fasse Jovenel. Est-ce que vous avez un problème la manjaille? Est-ce que vous avez un autre problème? Qui ça ou t'as cherché? Parce que je dis à condition la vie, qui ça qui rend la vie un peu difficile? Bon faut-il parler avec nous. L'autre prend un sac en grec qui te coûte moins que 1000 gouttes sous les Préval et puis sous Vatelli et Jovenel, ils viennent monter 15 000 gouttes. Comment pour paysan ça pas tomber dans le grand goût? À qui ça doit le planter? Qui accompagne ou te baou dans le budget que m'te toujours brûlé? M'te toujours dit, monsieur, attention, on parle de peuple dans le budget nous, dans le gros livre nous, nous pas mettre nos peuples là-dedans. Pendant la mettre 7,2 milliards pour Parlement, santé dans tout pays, on a mis 6 milliards, on te pété coquin, on te fait passer pour un boussal. On dit, c'est baya qu'on te yé. C'est ça au bon moins comme non. Je dis à faut que admettre que t'as tout à parler en parole, que le pot de couer, même t'es que possibilité pour m'te ouer, qui bon des gars mené nous. N'est-ce que craser toute institution, yo. Est-ce qu'on a des pays sans institution? Je dis à moi-même, moi, j'ai un message pour gagner. Et message, ça m'a dit là très fort. N'a pas tout conclu, Don Kato. Oui, n'a pas tout conclu. Message, ça m'a dit là très fort. Et n'importe nèg qui connaît ou pas ta mi gang, ou vle ou vin parler même j'avais, di gang yo, vire tchol zam nan sou moun ki te bayoul la. Sou kon ou pas ta mi gang, ou vle pren radio Karaïbe matin la pour di parole ça. Di gang yo, bay pep ayisyen chans, bay paysan yon chans, bay moun latibonit yon chans, bay lot moun yon chans, bay moun taba yon chans, mais vire tchol zam nan sou moun ki te bayoul la, monsieur. Parce que le peuple n'est pas capable encore. Merci un peu, sénateur. Merci beaucoup, M. Ferdinand. Merci beaucoup, M. Guerrier. C'est un plaisir pour me faire ce bat bouche ça. Et je pense que je dis à, pour mettre ma place et dernier mot ça. Par contre, c'est le gouvernement. Parce que les négociants sont bambouchés. Sont bambouchés, oui. Si nous étions à compter sur ça, l'État va le faire pour nous. Nous fous. Nous perdus. Je dis assez nous-mêmes pour qui d'abord identifier parce que identifier qui est-ce qui kagoum avec nous. Parce que nous ne pouvons pas prendre quitter les vignes pour oublier encore pour nous arriver dans le pouvoir et puis oublier ensemble revendication nous. Je dis à faut que nous mettions tête ensemble, faut que nous soulèvement. Et soulèvement, ça c'est différents secteurs qui créent du bio. Secteur qui était attaché à lui, pas ici, faut que nous mettions tête ensemble pour un soulèvement, pour une chavire, je vous dis, parce que je vous dis, ça bouillon bon, bon, ça va bon pour nous. D'accord, mais merci un peu, sénateur Kato. Merci un peu, sénateur Kato. Bon, moi, on petit bail rapidement. Depuis qu'il a parlé avec sénateur Ricard. Allô? Oui, depuis qu'il a parlé avec sénateur Ricard, Pierre. Ministre planification. On a parlé avec sénateur Ricard, les notés sénateurs. Après ça, depuis le ministre, moi-même, pas des amis ministres. Eh bien. Non, nous pas des amis ministres. OK. Nous pas des amis ministres et nous pas chercher des amis, gros amis ça tout. OK. Donc c'est même lutte qu'a fait là, même bataille là. Moi rete dans ligne moi, je dis il faut que moi rete dans ligne pam
qu'on y a peuple qui a capacité pour voir qui est-ce qui a abandonné, qui est-ce qui a joué, qui a cherché l'autre bagaille. Mais moi-même, je ne suis pas pour me juger, non, je suis dans l'INPAM et moi-même avec Rika, nous parlons depuis après, nous faisons sénateur et puis je ne suis pas connaître Mbabia ministre. Je ne suis pas contact ministre, je ne suis pas des amis qui ministre, je ne suis pas collègue qui ministre pour moi. Je n'ai pas besoin ni collègue relève et ni moi-même tout, je ne pas prêter personne collègue parce que si j'aime tout. M'attacher à lutte moi depuis 27 ans carrière. 4 ans, sénateur pas qu'à détruire. Ça me tape construire. Merci en pile, guerrier, c'est ton plaisir. Merci Caraïbes. Toujours que mes peuples là. Mes amis, attendez ça. Ou c'est haïtien, ou remé pays, et puis on agit. Entre désespoir, de machination politique et l'énotique, mon éditorial vous dit tout. Émission Mon Éditorial, c'est espace analyse, débat contradictoire sur tout détail sociopolitique qui domine le pays d'Haïti. Mon Éditorial. Sauf si lundi pour y faire vendredi, depuis le fait 2 heures, que chez Chanel par là pour qu'à bien informer avec Yannick. Mon Éditorial. Nous bral la valet pays, nous bral faire débat, c'est toujours même Yannick, l'en même voix.